dream too much. I tell myself that I can't stop. We could see clearly now. We could see clearly now. Can stop, we could see clearly now. 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 Clearly now. Clearly now. We could see clearly now. We could see clearly now. Yo tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très bien, c'est parti pour un nouveau live sur Euro Truck Simulator 2 avec le DLC Scandinavie, donc Scandinavia pour le terme exact. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va bien, un petit live tranquillou pour vous faire découvrir un peu le DLC. Voili voilà, donc pour ceux qui veulent savoir, en gros j'ai acheté le DLC Scandinavia à la sortie sur Steam, dès qu'il était sur Steam. Sachez que vous pouvez l'avoir déjà moins cher sur G2A.com. Sur G2A.com, il est aux alentours de 11 euros, je crois. Et il y a aussi un autre site qu'ils font à 12 euros. Donc voilà. Donc surtout, n'hésitez pas. Ah, je vois qu'il y a déjà du monde. Hein. Salut, Otam. Je vois, yo, yo, salut, mec. Comment tu vas? Salut à toi. Salut à vous toutes et à vous tous. Salut à Kram. Salut à vous qui va regarder, qui vous allez regarder cette rediffusion. J'ai du mal. Oui, donc ce live sera rediffusé sur YouTube, donc ça fait plaisir. Yo tout le monde, salut, salut, salut. Je suis content de vous retrouver, ça fait plaisir. Donc voilà. Bon, moi j'ai un peu découvert le DLC entre deux avant de lancer le live. Hein. Je me suis un peu amusé dessus et je peux vous dire que franchement, il vaut largement le coup. Ça change totalement la physionomie du jeu, surtout dans les trois pays, donc qui est le Danemark, la Suède et la Norvège. Donc voilà, 3 pays avec 27 villes, si je dis pas de bêtises. Franchement, il vaut largement le coup. Donc si vous voulez l'avoir moins cher, allez sur g2a.com, il est à 12 euros actuellement. Et donc Wally, voilà, tu comptes faire du Advanced Warfare? Pas dans ce live, pas dans ce live. Je ferai peut-être un autre live ce soir, je sais pas. Je sais pas sur quoi. Pour le moment, là, on est un petit peu sur le live spécial DLC Scandinavie qui est sorti cette nuit. Donc Wally, voilà. Voilà, n'hésitez pas à en faire parler autour de vous du live. Pour ceux qui s'intéressent, qu'ils aiment Euro Truck Simulator 2. Yop, salut Mix307, bienvenue à toi l'ami. Peter, une question, s'il te plaît, as-tu un PC gamer? Non, c'est pas un PC gamer que j'ai, moi, c'est un... Enfin, c'est pas du ROG, c'est pas du Alienware, c'est un PC que j'ai eu à 600 euros, il coûtait 700. C'est un Asus, alors je dis la référence, Asus X75V, voilà. Que j'ai eu sur Confo, je sais pas s'il est toujours d'ailleurs. Donc je sais que vous avez envie de découvrir le DLC, donc on va pas trop tarder, on va commencer à enchaîner. Et merci pour le follow, merci Mix307, ça fait plaisir l'ami. Allez, on va sans plus trop tarder lancer le DLC. En plus demain c'est férié, trop cool. Ouais, il y en a, ça y est, c'est en vacances ce soir, donc ça fait plaisir. De toute façon ce soir il y aura sûrement un autre live. Te rappelles-tu de moi? Bien sûr, je t'ai vu le passer l'autre jour, Otman, il n'y a pas de souci. Si, je me rappelle bien, très bien de toi. Il n'y a pas de problème, mon ami. Donc, allez, on va découvrir un petit peu le DLC sans plus trop tarder. Je sais que vous êtes impatients. Je vais faire une petite mission rapide. Là, j'ai pris mon profil, j'ai pris un autre compte qui est, que je dis pas de bêtises, un compte avec le jeu de base. Donc, j'ai pas encore d'entreprise. Donc, là, c'est des missions rapides. Donc, voilà, le DLC. Donc, il y a la Norvège. Il y a la Suède et le Danemark qui est ici. Et là, vous pouvez constater des nouvelles entreprises. Donc là, voilà, il y a une entreprise ici. On doit livrer plutôt du produit chimique Chauvinton. Donc on part de Göteborg à Malmö qui est en Suède. Wally walou. Donc sans plus trop tarder, je vais vous faire visiter un peu la map. Je vais vous faire 2-3 villes maximum pour l'instant. Et puis on verra bien par la suite. Salut à toi, Ma844U. Salut mon ami. Allez, c'est parti, on va découvrir tout ça. Donc là, on est... Oh, j'ai pas vu, par contre, c'est la map Iveco. La map...
le camion Iveco, de marque Iveco. Je suis pas très fan des Iveco, sauf le petit dernier qu'ils avaient sorti, qui est pas mal. Allez, on va découvrir la map ensemble. Alors, attendez. Toc. Attendez, je vais régler 2-3 choses, vite fait. Clavier. Alors, attendez. Voilà. Toc. Et voilà, voilà. Alors, attendez. Zut. Dommage. Donc là, vous pouvez constater déjà l'entreprise en elle-même. Franchement, ça change. Alors, je sais pas si je peux vous le faire montrer sur une autre vue. Donc voilà, vous avez l'entreprise qui change un petit peu. Franchement, ça fait du bien. Donc là, vous avez, voilà, vous avez une nouvelle ville que vous voyez devant vous à l'écran. Franchement, ça fait un peu cher le DLC sur le coup, mais honnêtement. J'ai pas envie de faire de la pub, faire de la vente. J'ai aucun intérêt d'ailleurs. Même moi, je l'ai payé plein pot. Donc, mais voilà, franchement, il vaut le coup. J'avais hésité, mais honnêtement, il vaut largement le coup. Alors, on va enlever le plein phare. Allez, c'est parti, je vais vous faire découvrir tout ça. Donc, on va quitter l'entreprise. Donc, regardez là, franchement, ça, déjà, même là, l'entreprise s'appelle Norben, je crois. Je sais plus. Ça change un petit peu. Là, vous avez un surveillant à l'entrée. Franchement, c'est bien foutu, quoi. C'est bien foutu. Allez, on va quitter. Je vais vous faire découvrir la ville tranquillou. Par contre, j'ai pas vu. J'ai un GPS intégré. Ça, c'est nickel. Regardez, franchement, les maps, comment ils sont améliorés. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Par contre, j'ai pas regardé. Alors, on livre, oui, 20 tonnes de produits chimiques chauds. Oula, je me suis trompé. 20 tonnes de produits chimiques chauds. Je vais regarder que j'ai combien de chevaux dans mon Iveco. Alors attendez 2 secondes. J'ai 560. Autant dire qu'on va un petit peu galérer sur les pentes. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on découvre un petit peu le DLC. Allez, passe avec ton petit camion Renault là. Non, c'est pas ici, il faut que j'aille tout droit. Autant pour moi. Franchement, quand vous voyez ça, c'est excellent. C'est excellent. Par contre, là, j'ai passé à 2 vitesses d'un coup. C'est pas bon tout ça. Allez, on va quitter la ville. Et vous, franchement, vous allez voir que les maps, ils sont impeccables. Je me suis trompé de route, pardon. Merde. Bon, c'est pas grave, on va rattraper tout au fond, à gauche. Quoique, je crois que je suis obligé de faire demi-tour, tout compte fait. Alors, attendez. Regardez déjà, franchement, c'est bien fait, les marquages au sol et tout. Alors, attendez. On va faire demi-tour ici. Je sais, c'est pas très réaliste, mais c'est pas grave. Parce que, apparemment, je peux pas rattraper par là, si j'ai bien compris. C'est ça qui est bizarre. Bon, bref. Je commence en beauté, moi. Bon, je monte un peu sur le trottoir, hein, mais c'est pas grave. Allez, go! En tout cas, n'hésitez pas, dès maintenant, envoyez vos messages, les amis. Il n'y a pas de souci, je les lis en direct. Donc, pour ceux qui se demandent, encore une fois, la vidéo sera rediffusée sur YouTube. Donc, un petit coucou à ceux qui vont regarder la rediffusion. N'hésitez pas à partager la vidéo. Donnez votre avis sur le DLC. Ça peut être sympa. Et mettez un petit like, histoire de remercier le youtubeur, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, allez, c'est parti, let's go. Coucou tout le monde, j'aime être libéré. Salut Romain. Coucou tout le monde, j'aime être libéré. Et finir à 15h15, le DLC Scandinavie est payant. Oui, il est payant, mon ami. De base, il est à 18€, et là, apparemment, ils ont sorti sur G2A le DLC à 12€. Donc franchement, le prix, il a bien baissé quand même. Mais il vaut le coup, Mais je vais laisser... Enfin, je vais vous montrer ça, vous allez constater par vous-même. Vous allez voir que il est génial. Alors attendez. Hop. Allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous avez une bonne qualité. Dans le live. Waouh. Mais en plus, un truc qui est bien, c'est que ils ont amélioré aussi le côté graphique. Donc maintenant, c'est vrai que les couleurs sont bien plus belles qu'avant. Ça, c'est franchement, c'est vachement bien fait. Ça, je sais pas, on trouve le jeu. J'ai l'impression que je joue un nouveau Euro Truck en fait. J'ai l'impression que c'est pas pour abuser, hein, mais avec les nouvelles routes et tout ça, on se croit sur Euro Truck 3 limite. Je sais pas, mais alors attendez, là il va falloir qu'on tourne. Allez, allez, tourne. Ok, nickel. Donc sachez une chose, c'est que j'ai pas mis de mode, hein. C'est vraiment juste le DLC. Qui est maintenant intégré, le DLC Scandinavie qui est intégré maintenant à Euro Truck. J'ai pas mis de mode pour l'instant, j'ai rien mis. Ok, les Mercedes maintenant. Les Mercedes, ouais, il l'avait dit, hein, ça va arriver après la sortie du DLC Scandinavie. Donc ça, il n'y a pas de souci à se faire. Normalement, ça devrait aller.
Mais regardez-moi ça, franchement, comment c'est mieux fait. Allez, c'est parti. Donc il y a 27 villes, je crois, 27 nouvelles entreprises. Si je dis non, je sais plus combien exactement d'entreprises. Il y a pas mal de nouvelles entreprises, franchement, mais beaucoup plus réalistes, je trouve. Et franchement, ça fait du bien de voir ça. Ça fait du bien parce que, bah, à force, c'est vrai que ça commence à... On commence à s'enlacer. Donc franchement, ça fait du bien de pouvoir changer un petit peu. Ça renouvelle un petit peu tout ça. Sachant que d'après ce que j'ai compris, apparemment, ils vont sortir par la suite aussi un DLC pour le Sud. Donc, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, si c'est bien exact, on aura l'Espagne, etc. Donc l'Espagne, Portugal. Mais bon, tout ça est encore bien loin. Et c'est pas vraiment... C'est juste des rumeurs. On ne sait pas si c'est vraiment sûr. Du moins, je ne sais pas si c'est vraiment sûr de mon côté. Donc si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me donner les liens de la source que je regarde tout ça. Mais bon, déjà, ça vaut le DLC. Et franchement, j'ai hésité à l'acheter parce que je me disais que pour le prix, c'est un petit peu abusé. Mais tout compte fait, je regrette pas. Je regrette pas. Ça change totalement, je trouve, l'aspect du jeu. Et voilà. Mais n'hésitez pas à donner votre avis hein, sur le chat. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Mais voilà. Mais même là, regardez, les autoroutes sont beaucoup plus beaux, je trouve. J'ai l'impression que... Voilà, je sais pas, c'est beaucoup plus beau, il y a plus de choses à voir, enfin je sais pas. Peter est joyeux, lol, je vais être casse-pied, mais il y a une faute dans tes infos, dans le truc où t'as mis, qui suit, je t'ai mis 27 ans et au-dessus 26. Ah oui, oui, ça faudra, je le change, exact, c'est parce que j'avais pas encore pris 27 ans. C'est pour ça. Bah oui, je suis content, oui, parce que le DLC, je l'attends depuis un bon moment, ça fait déjà un bon moment, je vous le dis dans les vidéos, que je l'attendais avec impatience. Donc ça fait au moins plus d'un mois. Et franchement, ça fait du bien de découvrir tout ça. Yo Peter, salut Marsu, comment tu vas mon ami? En plus, on s'est capté tout à l'heure, juste avant le live. Ça va Marsu? Tranquillou? Enfin voilà, franchement, ça fait plaisir. Les décors, ils sont excellents. Donc ouais, je vais faire 2-3 vides pour que vous constatez par vous-même tout ça, tout simplement, et ce que vous en pensez. Avant de vouloir l'acheter pour éviter que vous regrettez. Bien sûr, c'est pas ce que vous attendez. Oui, tranquille. Ok, nickel. Bah écoute, là on est en Suède. Hein. Donc là on est en train de faire la première livraison. Avec le DLC. Par contre, je sais pas vous, j'ai un petit souci. Ils ont sorti la nouvelle version 1.17 adaptée au DLC Scandinavia. Ou Scandinavie. Je l'ai téléchargé la promode, je l'ai installé. Seulement quand je lance la partie avec la promode pour la nouvelle version 1.17, mon jeu crash. Je sais pas pourquoi. Mon jeu se coupe automatiquement alors qu'il est adapté justement vu que c'est pour la version 1.17. Et voilà, je comprends pas pourquoi ça foire totalement. Donc si vous avez trouvé le problème, si vous l'avez déjà rencontré ce problème et que vous avez des suggestions, n'hésitez pas parce que ça m'aiderait. Là j'ai des soucis avec ça. Et donc voilà, voilà. Mais là, ça, je me contente franchement avec le DLC, c'est pas mal. 720p, lol, je deck, t'inquiète, j'ai une coupe encore pire. Malheureusement, je peux pas faire plus de 480p, mais ça va, ça reste quand même assez lisible. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'Euro Truck, dans la nuit, cette nuit, je vais envoyer une vidéo sur YouTube, sur ma chaîne. Ça va être le nouvel épisode sur la carrière suivie. Parce que je sais que vous aimez bien le nouveau concept, donc je vous remercie, ça a fait plaisir. Donc le prochain épisode sur la carrière suivie de Euro Truck Simulator 2 arrive cette nuit, donc vous l'aurez sûrement d'ici demain matin. Donc voilà, voilà. Moi je craque TS2, puis après je mets le DLC car sur Steam j'ai pas les villes comme toi. Ah. Oula, attendez. Ah ouais, c'est bizarre ça. Salut Peter, salut hein, pour tu cherches. Comment tu vas l'ami? Wow, je vais foncer dedans. Comment ça va l'ami? Bien ou bien? Mais franchement, moi, je suis totalement content. Hein. Je suis totalement convaincu du DLC. J'y joue depuis tout à l'heure et franchement, je suis pas déçu du tout, du tout, du tout. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, là, il y a une petite remorque sur le camion en face de moi. Une nouvelle remorque. Donc là, il transporte des veaux ou je sais pas quoi exactement. Je l'avais eu avant d'y jouer.
Regardez. Franchement, c'est génial. Ça, je vous rappelle que, bon, on l'a sur les maps genre Pro Mode ou Truck Sim Map, mais on l'a pas dans la version base de jeu, me semble pas. Donc, ça fait du bien, ça change un petit peu. Ça va tranquille et toi? Bah écoute, tranquillou, hein, je suis content, j'ai mon DLC, donc je fais partager. voilà. Oui, mais vu que le DLC, je l'ai craqué, c'est peut-être pour ça que sur Steam, je n'ai pas les villes. Ah ouais. Moi, je vais éviter de parler de crack, parce que je conseille à personne. Ouais, c'est possible. C'est possible. Alors, il nous reste combien de temps de route? Il nous reste... Ah, déjà, 80 km. Pratiquement 80 km. Donc, franchement, c'est nickel. Waouh, par contre, là, je pars sur la droite. C'est pas bon, tout ça. C'est pas bon. Mais, voilà, n'hésitez pas à partager. Si vous avez déjà le DLC, donnez votre avis, vos impressions. Ça peut être bien. Ça peut être cool. Qu'est-ce que vous aimez le plus sur ce nouveau DLC? Qu'est-ce que vous aimez le moins? Moi, pour le moment, je vais pas donner trop mon avis parce que j'y joue que depuis tout à l'heure. J'ai fait une petite partie ou deux avant le live. Et je préfère attendre un petit peu histoire d'avoir bien fait un peu le tour. Mais voilà. Alors attendez. Il va me laisser passer le rototo. Ouais, il va me laisser passer. Nickel. T'as intérêt, hein? Le mec. Mais t'inquiète, je craque tes deux conditions et après je gicle le crack du DLC et je verrai si ça marche. Ok. Oh, par contre. Non, mais voilà, franchement, à première vue, comme ça, je suis pas déçu. Et ce que j'aime bien surtout sur ce DLC, c'est qu'il y a des petites routes de campagne. Il y a des entreprises qui sont en pleine campagne et ça change un petit peu la donne. Les routes sont très serrées. Ça fait du bien. Je crois qu'il faut que j'aille tout droit là. Ouais. C'est bien ça, faut que j'aille tout droit. Ça change un petit peu tout ça. Donc pour ceux qui se demandent, il y aura bien un autre live ce soir, je sais pas à quelle heure. Mais il y aura un autre live, je sais pas si ça sera encore sur du Euro Truck Simulator 2 DLC Scandinavie, je sais pas encore. Mais je pense qu'en ce moment, je vais faire beaucoup de live sur Euro Truck, parce qu'il faut découvrir un peu ce DLC. Je ferai pas que ça pendant des jours et des jours, mais je pense que je vais en faire pas mal pour découvrir toutes ces villes-là. Peut-être que ce soir, je changerai pour un petit Call of Duty, mais voilà, on verra. Mais je pense qu'en ce moment, vous allez voir pas mal de gameplay sur Euro Truck, je pense. Donc vous inquiétez pas, pour ceux qui sont plus fans de Call of Duty, il y en aura aussi, il n'y a pas de problème. Allez, on est bientôt arrivé. 22 km. Alors ça va, on a fait vite ma foi. Pourtant j'ai pas désactivé le limitateur de vitesse. Mais là les petits nouveaux panneaux là, ça on n'avait pas ce genre de panneau là. Donc ça fait plaisir. Mais c'est vrai que les couleurs du jeu, même sans forcément avoir le DLC Scandinavie, je trouve déjà qu'ils ont bien amélioré le côté graphisme. Et ça fait du bien. Juste ça déjà, ça fait du bien. Là que vous voyez les nouvelles stations essence Wall. Les noms, ils ont changé un petit peu dans ces pays. Donc là, on arrive sur Malmö, les amis. Ne vous inquiétez pas, on s'arrête pas là. On va faire d'autres trajets. Tranquillou. Alors, on va prendre la sortie. Bon, là, je suis désolé, il fait nuit. Là, ça, j'avais pas prévu. Je voulais le faire deux jours, mais bon. Parce que c'est nettement plus beau. J'aime bien, c'est surtout que depuis la 1.17, le coucher du soleil et tout, c'est impeccable. C'est franchement impeccable. Allez, là, on va ralentir parce que là, je risque de me retourner avec le camion. Allez, monte. Ok, nickel. Allez, on va ralentir. Oh, il n'y a personne. Nickel. Ah, bah, c'est GG. Génial. On arrive sur Malmö, les amis. Salut Peter, salut Jorzan, comment tu vas, l'ami? Ça va bien? Ouais, bon, je passe, hein. Vous permettez? Non, mais oh, je suis en live là, j'ai le droit de passer. Alors, attendez, je vais ralentir. Même là, les carrefours sont bien refaits, franchement, c'est nickel.
Oh putain, je me tape le panneau. Eh ben voilà, ça commence bien. Bon là, on arrive dans la nouvelle entreprise. Vous allez voir qu'elle est galère. Pour se garer, c'est très chiant. Mais franchement, elle est pas mal. Alors attendez. Hop. Oh putain, je me tape les poubelles. Eh ben voilà. Bien et toi? Ouais, très bien. Très bien, merci. Bon là, voici la nouvelle entreprise. Donc là, il faut contourner. Oula, 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 oula. Je vais y aller doucement. Allez, on va y aller, mon lot. Là, vous allez voir que c'est galère. C'est ultra galère. Ouais, je crois que je vais pas passer. Je crois que je vais pas passer. Non, je vais pas passer. Attendez, je fais une petite marche arrière, là. Parce que pour contourner et se garer, c'est un petit peu la mouise. Arrête d'avancer. C'est bon, nickel. Tu es au clavier. Ouais. En fait, j'avais mon volant qui fonctionnait plus et qui refonctionnait à nouveau. Et là, du coup, il a relâché. Donc, je suis repassé au clavier souris. Waouh. Regardez comment c'est galère pour se garer. C'est un truc de malade. Ouais, c'est génial, ça. Ouais. Hein, les entreprises, ça change. C'est nickel. Et il y a pas mal de nouvelles entreprises. Allez, on va essayer bien de se garer. Waouh. Allez. Tu peux y aller, Vipiteur. Pourquoi je mets... attendez, j'ai un doute. Ah, et bah GG. Regardez franchement l'entreprise. Elle est géniale. C'est galère, c'est très étroit. C'est très étroit. Ouais, c'est génial. Franchement, ouais. Allez, détalage de la remorque. Ah, puis en plus je passe au niveau 10. Je vais mettre, allez, grande valeur. Tac. Ok, donc on va faire une autre nouvelle livraison. Hein. On va changer un petit peu. Alors, là vous voyez, vous y avez encore une nouvelle entreprise. Là, je ne vois pas exactement le nom. Là, vous avez IKEA. Donc, IKEA, hein. Franchement, ça ne change pas des masses. Donc, vous avez pu constater que avant le live, j'ai déjà fait des petites parties comme ça. Donc, je crois que je n'ai pas été ici. Non, à Aalborg, je ne l'ai pas fait. Allez, on va le faire. C'est parti. Allez, go, on va laisser charger tout ça. Ok. Regardez, là, on commence dans un petit chantier. Regardez, franchement. On commence dans un petit chantier perdu, le trou du cul du... enfin, vous m'avez compris. Allez, c'est parti. Moi, la dernière fois que je suis allé à Micromania, il y avait un volant avec pédale et boîte de vitesse à 90€. Ah. Bah moi, je sais pas, du coup, je me demande, est-ce que je vais pas attendre de voir par la suite pour me prendre... Waouh. Je vais pas attendre par la suite pour voir, pour avoir le G25, au moins. Mais, bon, voilà. J'ai mon G25 mercredi, Peter, à 95€. Ça, c'est bon. Ah ouais, t'as de la chance. C'est bien. Il est bien, le G25. Ça change pas des masses avec le G27, hein. Regardez là, les petits chemins qu'on prend pour sortir de l'entreprise. Attendez, je baisse les phares. Regardez comment c'est galère. C'est galère. Hein. Allez, donc là on va aller sur la nationale. Attendez. Hop. Il n'y a personne. Oula, je suis en première. Voilà, c'est bon. J'aime bien les petits chemins comme ça, c'est plus réaliste. Ça donne plus de défis. Entre guillemets, pour entrer dans l'entreprise ou y sortir. Allez, c'est parti, let's go. Ah, franchement, le G25, il est aussi... enfin, il est aussi bien que le G27, hein. Ça change pas des masses, quoi. Honnêtement, ça change pas des masses. J'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas trop de problèmes avec la musique. J'espère que vous entendez aussi bien la musique et le son du jeu. Normalement, ça devrait aller, je pense. J'ai déjà essayé le jeu, les graphismes au masque, il est magnifique. Oh oui, oh oui. Bon, après, il faut avoir un bon PC, hein, parce que... Mais ouais, quand on a le graphisme à fond, ça change, mais c'est un truc de malade. Merci pour le follow, je sais pas qui me follow parce que là du coup j'ai la fenêtre du jeu. Mais merci pour le follow, ça fait plaisir les amis. Mais ouais, franchement, quand tu peux te permettre de mettre les graphismes à fond sans forcément avoir le DLC,
ça change totalement l'aspect du jeu, je trouve. Donc là, je vous mets les pleins phares parce que malheureusement il fait nuit, donc c'est dommage que je peux pas vous faire montrer le jour comme ça. C'est dommage qu'on peut pas faire passer le temps. Quoique, non, si, on peut le faire passer, mais moi j'ai pas encore mon entreprise, donc je peux pas avoir d'air de repos normalement. Quoique, bah si, je dis de bêtises. Si, si, même avec les trajets rapides. Je vais essayer de trouver un air de repos et avancer tout ça. On va voir, on va voir. Mais franchement, ouais, c'est génial. En plus, si tu peux avoir le graphisme au maximum et que tu peux te procurer un G25 ou un G27, t'es bien. T'es bien. Franchement, t'es bien. Et même en... Même si c'est pas en élevé, hein, en ultra, en élevé, c'est aussi pas mal. Hein. Là, je suis en élevé. Franchement, c'est GG, quoi. C'est génial. Alors, attendez, je sais pas combien de temps il reste de trajet. 188 km, ça va. Si tu trouves une aire de repos, tu peux, mais si t'es en retard, c'est pas de ma faute. Et si t'es en retard, c'est pas de ma faute. Non, bah non, je sais bien. Vu que j'avais l'intention de vouloir me reposer pour faire montrer deux jours. Le pire, c'est que avant de lancer le live, j'ai fait une partie pour histoire d'être en pleine journée. Et je vois que je commence sur une mission, du coup, qui fait nuit, quoi, malheureusement. Mais c'est pas grave, si je trouve un aire de repos, ah bah, en plus, je crois qu'il y en a un pas loin. Il y a une station essence, on peut s'y reposer, normalement. Donc, ça devrait aller. Et c'est pas grave du retard, de toute façon c'est pour vous faire découvrir, donc... Bon, vous voyez, doucement. Allez, doucement. Salut, comment ça va? Une question con, c'est quoi le but du jeu? Salut Wingraf, bienvenue à toi l'ami. Bah en fait, t'es dans la peau d'un routier. Tu prends la livraison dans la première entreprise, donc on va dire l'entreprise A. Et tu dois livrer à l'entreprise B, donc qui peut être dans une autre ville, bien entendu. Et voilà, tout simplement. Et tu peux créer par la suite ton entreprise et employer des personnes virtuelles, etc., etc. Donc attendez, on va se reposer. Ah, apparemment, ils ont même changé un peu le système des repos. Maintenant, c'est plus en épi. Alors attendez, je vais essayer de me garer. Ok, donc on va faire la petite marche à l'île. Allez, allez, on peut y arriver. Donc les amis, ce soir il y aura un autre live. Surveillez mes réseaux sociaux, donc surtout sur Facebook et le monde à Peter. C'est le monde à Peter sur Twitter et sur Facebook. Donc n'hésitez surtout pas. Allez, on va faire la coupure. Vous allez voir deux jours. Ok. Bon, je risque de me faire gueuler parce que j'arrive à la bourre, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous faire montrer, donc c'est pas grave. Alors attendez, je vais y aller mollo. Ok, c'est bon. Let's go. Hey, je vais pas juste faire un coucou, j'ai plus beaucoup de batterie. Salut Léa, comment ça va? Il n'y a pas de problème. De toute façon, je disais, il y aura un autre live ce soir. Je sais pas sur quoi encore, on verra bien. En tout cas, c'est cool, t'es passé, ça fait plaisir. Regardez-moi la beauté de la map. Franchement. C'est excellent. Excellent tout ça, excellent. Ah, j'adore. Ouais, il m'a fait flipper le camion, je crois qu'il allait prendre carrément la route au contresens, comment il avait tourné, quoi. Je me dis, mais what, qu'est-ce qu'il me fait le bot là? Il a un problème le bot. Allez, vas-y, go. Ce soir, je fais une nuit blanche, mais je vais passer sur plusieurs streams. Donc, peut-être pas toute la soirée, mais je passe ce soir. Ok, il n'y a pas de souci, Jurzam. Il n'y a pas de problème, mon ami. Déjà, t'es passé, c'est cool. ça va et toi? Très bien, je te remercie, Léa. Tu veux que je te fasse un 4 pour ta cam sur Twitch? Bah écoute, j'en avais fait un, mais vu que j'agrandis un peu la cam, apparemment c'est plus adapté, donc si tu peux que ça te dérange pas, ouais, ça serait cool. Franchement, ça serait vraiment cool. C'est comme tu veux, si t'as vraiment le temps, hein, puis j'ai pas envie de te déranger, hein, donc...
C'est comme tu veux. Bon, là, normalement, c'est 70, mais c'est pas grave. Yo, yo, Buggy, comment ça va, l'ami? Bien ou bien? Le mec, qui s'embête pas, bien ou bien? Regardez-moi ça. Franchement, j'adhère totalement au DLC, mais c'est un truc de malade. T'inquiète, je vais le faire ce soir. Ok, pas de soucis. De toute façon, ce soir, je refais un autre live, Léa, donc... Bah, je te remercie pour le cadre, c'est super sympa. D'ailleurs, à propos, j'ai mis ta bannière sur ma chaîne. Je sais pas si tu as vu. Mais en tout cas, c'est du bon boulot. Franchement, bravo. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur mon site, lemondeapiteur.fr. Allez-y, allez vous inscrire. Il y a un forum, il y a un chat, on peut discuter. Donc allez-y, il y a même le live qui est... il y a même le live que j'ai intégré directement sur le site. Allez-y, c'est lemondeapiteur.fr pour vous aussi qui regardez la rediffusion. Allez-y, n'hésitez surtout pas. Ça y est, il est maintenant en ligne. Il y avait eu 2-3 bugs au début, mais ça y est, c'est réparé. Donc vous pouvez y aller tranquillou. N'hésitez pas à aller vous présenter si vous avez envie. Oh, par contre, je vais ralentir. Vous pouvez vous présenter sur le forum. Hein. Allez. Tiens, il y a un tracteur là, tranquille. Attends, moi aussi, alors je fais un overlay pour la cam, la concurrence. Tu fais un giveaway de Scandinavia. Bah, disons que je montre 2-3 parties. Oula. Waouh. Doucement. Disons que je monte 2-3. Je découvre, je fais un peu découvrir, mais voilà quoi, c'est tout. Bon. J'y vois les gars, j'y vais les gars, toutes. Ok, à toutes Léa. Bienvenue à toi en fait, hein, Skype of Gaming. C'est en multi ou en mode carrière? Là, c'est en mode carrière, c'est en solo. Mais ça y est, ah oui, en parlant du multi, ça y est, ils ont sorti la nouvelle version là, pour la 1.17. Ça, ça fait plaisir. Et tu me barreras pas, Jorzane. Non mais voilà, ça fait plaisir tout ça. Bah allez, attendez, je vais ralentir là parce que... Je vais mono. Waouh, j'ai eu chaud. Si je vais te battre, c'est en train de se faire de la concurrence. Pas de concurrence sur ma chaîne, pas de concurrence. On est tous ensemble. Allez, c'est parti. Donc là, vous avez pu constater... Vous pouvez constater que j'ai pas mis le chat sur l'écran. Vous allez me dire pourquoi. Bah en fait, je trouve ça bien. Mais je trouve que, du coup, quand on met le chat sur l'écran, il y a 2-3 personnes, des fois, qui... Enfin, il peut y avoir des personnes, plutôt, qui s'amusent, qui viennent sur le chat, qui font leur pub à tout va ou qui insultent à tout va pour se montrer intéressant. Donc, du coup, j'ai retiré un peu ce système... Alors, attendez, j'ai l'hydraulique, je crois, qui est activé. Donc du coup j'ai désactivé le chat à l'écran pour l'instant, je le remettrai peut-être un de ces jours. Donc voilà. Merci pour le follow. En plus je suis sa graphisme personnel. Oui c'est vrai. Oh putain du coup. Ouais voilà, accident, 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 alerte. Attendez. Salut, salut Merguez Dodi. Du coup j'ai lu les messages, je faisais plus attention, désolé. Comment ça va, bienvenue. Du coup je pète un mes phares. Hein. Allez, let's go. Bon, bah là, j'ai pris un peu de dégâts, mais c'est pas grave. C'est... De toute façon, je vous dis, là, c'est vraiment spécial. C'est pour vous faire montrer un peu le DLC. Tranquillou. J'espère qu'il n'y a pas à pleuvoir. Parce que j'aime pas trop quand il pleut. Ça fait un peu laguer. Normalement, non, ça devrait aller. Je crois que... On verra bien, on verra bien. J'espère que le moteur il va pas trop caler, surtout. Alors j'ai combien en dégâts? J'ai pas fait gaffe. Oui, 15%, effectivement. C'est un petit peu chaud, là. Ah, désolé. Pourquoi désolé? Wow, je vais ralentir. On va y aller mollo, là. Là, vous voyez des petites entreprises, tranquillou.
Allez, on va prendre la salty. Allez, allez, mollo. Allez, j'espère qu'il va pas. Ah, il a calé. Fallait que j'allais en parler en plus. Faut pas que tu me lâches. Me lâche pas. Oh putain. Oh là là, pourtant je freine. Qu'est-ce qui m'arrive? Bon, c'est pas grave. Allez, go, go, go. Alors. Oh, tu peux avancer là, mec. Ok, c'est bon. Allez, go! Attendez, je vais faire attention. Il n'y a pas de voiture qui arrive. Ok, nickel. Allez, let's go! Je vais peut-être me relancer dans les intros 3D, Peter, je sais pas encore. Ah bah, c'est cool! Si ça te plaît en plus, ça peut être bien. T'as qu'à apprendre à conduire aussi, tu défonces le camion aussi. Mets-toi à ma place, lis les messages en jouant, tu verras, Jorzan. Allez, là on arrive dans la ville. Mais je crois que c'est pas ici en plus. Il me semble que c'est pas dans la ville. Il me semble que c'est pas ici. Quoique, attendez, je dis peut-être des bêtises. Non, non, ouais, c'est bien là. Ok, je me suis trompé. Ça va live Black Ops 2 ce soir? Ouais, ça va, merci. Je sais pas. Je sais pas du tout si je fais un live sur Black Ops 2. Je sais pas du tout. Parce que là, je vous dis, le DLC vient de sortir. Donc peut-être que j'en ferai une autre vidéo sur Euro Truck. Je sais pas du tout. Et ce soir, il y aura un autre live. De toute façon, je mettrai sur Facebook et Twitter l'heure exacte du live. Désolé, Peter, je dois sortir mon chien. À toutes. Ok, Marsu. Bah, à toutes. Merci d'être passé. Oula, on arrive bientôt dans l'entreprise. On va faire attention. Allez. Genre, ça ressemble pas à Ikea, quoi. Ça se voit pas, quoi. Bon, j'y vais, les gars. Bonne journée. Ok, Léa, bonne journée à toi. Et merci, en tout cas, pour la bannière. Je te remercie d'avance. C'est cool. Allez, allez. Je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Bah, tu te mets sur le bas-côté quand tu regardes les messages. C'est comme le téléphone. T'imagines si je dois à chaque fois m'arrêter, mon ami? Si je dois à chaque fois m'arrêter, je suis pas prêt de finir. Bon allez, on rentre dans l'entreprise. Allez, on va y aller mollo. On va faire la petite mise à quai. Oh, attendez, là je vais devoir faire le tour. Allez, allez, allez. On peut y arriver. Ah, ça va être chaud quand même. Ça va être chaud. Ok. Bon, allez, c'est parti. On va essayer. Il faut y arriver. Il faut. Et c'est petit, hein. Franchement, c'est. Waouh. Allez. Attendez, je vois plus rien du coup. C'est galère. Il coûte combien le DLC? Si tu l'achètes sur Steam, il a 18 euros. Si tu le prends sur g2a.com, tu l'as à 12 euros. Allez. Oh là, ça devrait aller, je pense. On va voir. Allez. Ah, d'accord, il a calé. Allez, allez, allez. Oh putain, c'est chaud. T'as combien d'écrans? J'en ai deux. Enfin, en fait, si tu veux, j'ai deux PC portables. Bah, le premier pour le jeu et enregistrer. Et le deuxième pour lire vos messages. Bon. Bon, là, si ça va pas, je comprends plus, là. Ah, bah, voilà. Ok, nickel. Bon, j'étais en retard, j'ai fait un accident, mais bon, tant pis. On va regarder pour faire une autre livraison. Hmm.
aux danses, j'y étais. Donc on va éviter, aux danses. On va essayer. J'ai pas été ici en plus. Non. On va faire celui-là. On va livrer à l'entreprise Bjork. Chariot élévateur 11 tonnes. Encore un Iveco. Oh là là. Il rajoute quoi comme truc le DLC? Bah t'as 3 pays en plus, t'as le Danemark, t'as la Suède et oups, attendez, je sais plus. Ouais, donc t'as ces 3 pays là en fait si tu veux. T'as plus d'entreprises dans ces. Enfin t'as plein de nouvelles entreprises dans ces pays. T'as aussi bah, du coup un peu le côté graphiste qui change un peu, mais ça c'est dans, depuis la nouvelle version 1.17, c'est déjà intégré, donc sans le DLC. T'as des nouvelles remorques, et voili voilou. Allez, enfin j'ai pas tout dit, hein, mais il y en a des choses, donc... allez, allez, allez. Là on va quitter l'entreprise. Donc là, je crois qu'on l'avait fait c'est, en début de live, cette... Ce petit chemin là, je crois que c'est la même ville. Mais apparemment, on finit pas dans la même, donc ça va. Attendez. Ouh, pour voir, c'est chaud. Ok. C'est bon, nickel. Combien coûte le jeu? Le jeu en lui-même sans DLC coûte 5 euros ou 6 euros sur G2A.com. Sans le DLC. Mais si tu veux le DLC en plus, il faut rajouter 12 euros sur G2A.com ou 18 sur Steam. Ouais, en même temps, bon, je l'ai peut-être fait cette route-là tout à l'heure, mais il faisait nuit, donc on voyait pas grand-chose. Là, au moins, vous voyez bien. Ça change un petit peu. Bon, même si on n'a pas la même destination que tout à l'heure, mais voilà, au moins, vous loupez, vous regardez ce que vous avez loupé. Franchement, c'est génial. Je l'ai payé 15 euros, moi, l'arnaque. Bah, moi, je l'ai payé 18 euros, hein, donc... Moi, je l'ai payé plein pot dès qu'il est sorti, hein, cette nuit, donc ça va encore. J'étais pressé. Bah, alors, moi, en plus, ce qui est bien, c'est que je l'ai acheté 18 euros et il m'offre le DLC peinte viking. Je sais plus c'est quoi. Peinture viking. Donc ça va. Faire une virée à deux. Ah, tu parles du jeu, toi, Jorzan. Tu parles du jeu lui-même, je pense. Je crois que tu parles du jeu lui-même. Ah, ça va, je suis pas le seul pigeon. Je suis pas un pigeon, hein. Fais gaffe. Hein. Oh putain, j'avais doublé. Je vous laisse, bonne continuation à ce soir, sûrement. Ok, Wingraf, merci d'être passé, ça fait plaisir, tu reviens quand tu veux. Et bah, je te souhaite une bonne fin d'après-midi. A bientôt, l'ami. Vite, ralenti. Allez. Même les carrefours, ils les ont mieux fait qu'avant, ça c'est bien. Allez, c'est parti, let's go. Par contre, le camion, il a du mal, hein, ça se voit. Putain. Allez. Il est long, il est long.
Bon, enfin, profitez que là, il est un peu moins cher, du coup. Parce que c'est peut-être une promo, hein, on sait pas. Hein. Peut-être que par la suite, ils vont le remettre à 18, donc profitez. Mais bon, je pense pas. Peut-être que sur G2A, ils vont peut-être laisser au même prix. En général, sur G2A, c'est rare qu'ils changent le prix de base. J'espère qu'il tourne pas ici. Non, c'est bon. Ou c'est pas bien de doubler dans une intersection, c'est pas bien. Je le sais. Mais c'est vrai que sur le coup, ça. Je me suis dit, putain, le DLC il est plus cher que le jeu, ça fait mal quoi. Mais bon. Après, si on veut un peu de nouveauté, bah, ça peut être bien. Sachant qu'il n'y a pas besoin de mode quoi, c'est vraiment le DLC intégré. Donc, c'est nickel. Allez, toi, tu passes pas. Hein. Voilà, je me disais. Allez, allez, allez. Toi, t'as la version 1.13. Non, moi je suis à la version 1.17, la dernière. Je suis à la version 1.17. De toute façon, tu peux pas jouer au DLC Scandinavie avec la version 1.13. Elle a été faite pour la 1.17, donc. km. Bon, alors on va ralentir parce qu'on les rattrape quand même assez dangereusement. Ralentir, ralentir, ralentir. Ah, et bah voilà. Ok, mise à jour direct. Bah, c'est bizarre que toi, t'as pas fait la mise à jour automatiquement. Moi, il m'a pas demandé. Il a fait la mise à jour direct en 1.17. C'est un peu bizarre quand même. Puis si t'as des lags avec Euro Truck, si tu passes à la version 1.17, tu verras que c'est un peu plus fluide qu'avant. J'ai l'impression qu'ils ont bien amélioré, ils ont bien optimisé. Oh putain, qu'ils ont bien optimisé leur jeu. Moi je sais que j'avais des lags, et là je trouve que j'ai beaucoup moins de lags depuis que je suis à 1.17. Donc si toi t'as des lags, je te le conseille franchement. Ça va te changer un peu. Ça va te compliquer, enfin ça va un peu moins te compliquer la vie. Tu devrais apprécier, logiquement. Même les couleurs, hein, tu verras la différence. Allez, on va prendre la sortie. Allez, putain, j'avais peur de pas avoir pris assez d'élan. Camus, il a du mal. Sinon, il y a quoi comme jeu PC tu joues? Bah, avant j'ai joué à Black Ops 2 sur PC, et maintenant je prends sur PS3. Les jeux PC, j'ai. Attends. J'ai Infestation, j'ai le nouveau Aftermath que j'ai pas encore fait. J'ai Counter-Strike Source. J'ai Game Mode. J'ai. Oh, j'en ai des jeux. J'ai Battlefield 4 sur PC, j'ai FIFA 15. Mais là, je te dis, tout ce qui est jeu d'FPS, maintenant, je préfère sur console.
c'est plus pratique pour moi. Ça change un petit peu et... Après Battlefield 4, je le fais plus trop en multi parce que ça lag un peu. Et FIFA, c'est pareil. FIFA, je vais le prendre sur PS3. Parce que je lag un petit peu sur PC. Donc c'est pas la peine, quoi. C'est pour ça qu'en ce moment, ma série sur FIFA 15 est à l'impôt sur ma chaîne. Je vais pas continuer une série où ça lag un petit peu, quoi. Allez, ralenti, bordel. Putain, je croyais que j'allais me le taper. Franchement, j'ai eu de la chance. Allez, go. Ah, ça passe, ouais, ça passe. Là, je crois qu'on... Ah, c'est bon. Okay. On va devoir prendre le ferry. Bon, en tout cas, dites ce que vous en pensez du DLC. Hein. Franchement, donnez votre avis. Dites-moi si vous appréciez ou pas pour l'instant ce que vous avez vu. Mais c'est vrai que le prix fait peur. Fou. Alors, attendez, je vais ralentir. Oh putain, mais qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui? J'ai du mal aujourd'hui, hein. Wow. Allez, c'est parti. Allez, le ferry. Cargo, ok, faut que j'aille à gauche, ok. Ok, alors il y a quoi? Ah oui, il y en a plusieurs, attendez, il faut que je regarde sur la map là où je dois aller. Alors, ok, ah ouais, donc on est arrivé aussitôt qu'on arrive après le ferry, d'accord. Donc c'est celui-là, allez, c'est parti, go. J'ai pas encore testé le DLC, ouais. Nickel Chrome, allez, c'est parti. Allez. Ah, je me dis, il y a un problème là. Je vais passer par là normalement, non? Ah non, ok, d'accord. Ok, je dois... Ah oui, ok, je dois contourner. Ok, c'est parti. On est mollo parce que j'ai une longue remorque. Ok, nickel. Bientôt, en ce moment je joue plus à Cube World, tu connais. Ouais, tu m'en avais parlé, il me semble, la dernière fois. J'avais joué une fois, vite fait, mais j'ai pas trop accroché. Waouh! Ah, il laisse passer. Au moins, il y en a encore des généreux ici. Donc là on va livrer, on est bientôt arrivé. Ouais, on est, c'est dans la ville. Non, c'est, je crois que ça, ouais, c'est dans la ville. Mais c'est vrai que je sais pas vous, mais j'ai l'impression que les villes sont beaucoup plus grandes.
J'ai l'impression que c'est beaucoup plus grand qu'avant. Alors, ah ouais, ok, on a un autre qui arrive en face. Bon, il me laisse passer le gros Toto là. J'ai bien, c'est qu'il me laisse passer quand j'accélère, il avance aussi. Là. Ah, je vous jure, hein. Tu me laisses passer? Ouais, c'est bon. Je m'inquiète quand je les vois arriver comme ça. Allez, on va y aller mollo. Ouais, donc je pense que c'est plus à l'entrée de la ville en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Qu'est-ce que c'est beau, franchement. Eh, hey, tu me laisses passer, toi. Putain, mais les mecs, ils me voient arriver, ils continuent, quoi. Ouais, on est bientôt arrivé à faire notre mise à quai, puis on va arrêter le live. Donc, je vais la remettre en rediffusion, vous inquiétez pas. Donc, allez voir, hein, de toute façon, elle va apparaître. C'est le monde à Peter.fr. Hein. Donc, n'hésitez surtout pas. Mais j'arrive trop vite. J'arrive trop vite. C'est bon, là, j'arrive dans la petite entreprise, là. Enfin, petite. La petite route, surtout, d'entreprise. Elle va être galère, celle-là, j'ai l'impression. La petite route, mais c'est bien, ça fait un peu de... Ça change un petit peu, on gagne un petit peu plus, c'est bien. Attention au rocher. Oh, avec ce reflet là, c'est énorme. Non, c'est pas là, je pensais, mais non. Ok, c'est plus loin, ok. Ça doit être là, ouais, c'est là. On va y aller mollo. Parce que ça m'a l'air très étroit. Allez, tu peux y aller. Ouais, c'est bon. Ok, nickel. Donc là, faut faire le tour, je présume. Ouais, je pense qu'on ouais, on peut passer derrière, je crois. Allez, c'est parti. Ouais. Il me semblait bien. Allez, tu peux y arriver. Voilà, okay. Oh, ça devrait aller la mise à quai. Franchement, on a connu pire. Hein. Allez, allez. Ça passe là, non? Merde, pourquoi je recule? Attendez, hop. Ah, je me disais bien. Point mort, on éteint les phares, hop. Et. Détalage de la remorque, wali walou. Et ben écoutez, on va arrêter ce petit live. Enfin, c'est déjà une heure, hein. Une heure c'est déjà pas mal. En tout cas, j'espère que ce live sur Euro Truck Simulator 2 spécial DLC, wow, je perds les écouteurs, spécial DLC Scandinavie vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like pour ceux qui vont regarder la rediffusion. Mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Ce soir, pour ceux qui vont regarder la vidéo, parce que je l'upload tout de suite sur YouTube, ce soir il y aura un autre live, donc pour savoir à quelle heure je vais live, n'hésitez pas à aller voir sur Twitter et Facebook, c'est Le Monde à Peter. Allez aussi sur mon site, lemondeapeter.fr, si vous voulez échanger, communiquer avec nous, discuter entre viewers, voilà, ou entre abonnés, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé, que ce soit sur le live ou en diffusion. Je vous dis à bientôt pour le prochain live. Ciao tout le monde.